On approche des fêtes de Noël et qui dit fête de Noël dit un maximum de cadeaux. Et oui, en ce moment, certes, la période n'est pas forcément la meilleure. Et c'est pour ça qu'un bon moment en famille, pas trop nombreux on le rappelle, mais un bon moment en famille avec plein de Lego au pied du sapin, je me suis dit que ça allait sûrement en réjouir. Pour qu'il y ait un maximum de Lego au pied du sapin, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de vous proposer un top, si ce n'est pas un top, une sélection de mes sets favoris du moment. Une sélection qui regroupera plein de sets de plein de gammes différentes et triés selon un certain critère, celui du budget. On aura donc 5 catégorie de 5 budgets, le petit budget, le moyen budget, le gros budget, le très gros budget et le budget platinum pour les gens maxi riches avec 8 cartes gold. À chaque fois plusieurs sets dans ces catégories. C'est parti, on commence avec le petit budget. Alors on commence avec les petits budgets, et en petit budget il y a quelque chose à laquelle j'ai pensé assez rapidement, c'est tout simplement la briquette. La briquette c'est un petit cadeau très sympathique qui peut s'offrir en toute occasion et pour plusieurs types de personnes. Les personnes qui commencent Lego, des personnes fans de pop culture, et en ce moment il y a deux briquettes que j'aime beaucoup. C'est d'abord la briquette du Mandalorian et de l'enfant du Mandalorian et du Baby Yoda, sortie de la série The Mandalorian évidemment, et qui coûte 19,99€, on est dans le budget. Une petite briquette sympathique, et l'autre briquette du moment c'est la Monkey Kid que je trouve très jolie, très décorative, plutôt dans un esprit asiatique, chinois, etc. Elle coûte, elle, 9,99€, et très honnêtement, je l'ai acheté et je suis plutôt content de cette briquette. Deuxième set, on change d'univers, il s'agit tout simplement de l'univers Harry Potter, et vous savez à quel point j'aime cet univers. Il s'agit de la salle sur demande, un très bon set qui coûte 19,99€, ce qui vous permettra de toucher 3 figurines et 2 Patronus, ce qui est vraiment pas mal, ça fait 5 figurines grosso modo en tout dans la boîte. 19,99€ pour un set pareil, très honnêtement, il faut foncer pour les fans d'Harry Potter. On enchaîne avec deux sets Minecraft, la ferme à laine et la garderie des pandas, qui coûtent tous les deux 19,99€. Là encore, deux sets sympathiques si vous aimez l'univers cubique de Minecraft ou si tout simplement vous êtes un petit peu geek, comme moi par exemple, voilà, ça peut s'expliquer. Deux sets franchement rigolos avec plusieurs figurines et plusieurs accessoires à l'intérieur, de quoi commencer votre monde Minecraft ou tout simplement l'agrémenter. Mais voilà, les deux sont à 19,99€, donc là encore des cadeaux bien sympathiques sous le sapin. Et enfin, dernier set, et là on change encore une fois d'univers et on part dans le Speed Champion avec un petit peu de véhicule, la Ferrari F8 Turbito, n'est-ce pas? Je ne connais absolument pas cette voiture, je ne suis pas calé en voiture de toute façon, et cette voiture de la gamme Speed Champion, elle coûte 19,99€, là encore, pour 275 pièces. Très honnêtement, j'adore son design, j'adore cette couleur rouge, etc. Donc je pense que pour tous ceux qui aiment les gros moteurs, qui aiment les gros cylindres, qui aiment les pneus qui crissent sur le bord de la route, eh bien je vous invite à acheter cette voiture, parce que très honnêtement, je la trouve plutôt stylée. On passe au moyen budget, et on commence ce moyen budget avec sûrement l'un de mes coups de cœur de cette année, Edwige de la gamme Harry Potter. Edwige, la chouette articulée, le compagnon fidèle de Harry durant toutes ses aventures avant son tragique décès, malheureusement reposant. Edwige qui coûte 49,99€ pour 630 pièces, c'est un très bon rapport je trouve, et qui est un set qui vous décore un salon, une chambre magnifiquement bien. Elle est derrière moi dans le décor. Coucou. Et très honnêtement, ce set est magnifique. On enchaîne avec un set Star Wars, évidemment le battle pack le plus attendu de cette année, le battle pack de la 501ème avec ses petits soldats et ses petits clones. Voilà, un très bon battle pack, 29,99€. Très honnêtement, c'est sûrement le set Star Wars que la majorité des gens vont privilégier à Noël, donc je me suis dit, il a tout à fait sa place dans ce top. Un petit peu d'architecture et on voyage un petit peu dans le monde puisqu'on va parler du Burj Khalifa, qui est un set architecture qui est ma foi très joli. J'aurais pu citer tous les autres sets architecture, mais je me suis dit que celui-là était sympathique aussi. Une très belle tour, de très belles pièces. Très honnêtement, ça dans un salon, ça passe crème. Si vous aimez un petit peu l'architecture, les bâtiments du monde, etc., il coûte 39,99€ et honnêtement, c'est un très bel achat. Et on termine avec un petit set créateur, le magasin de jouets du centre-ville, que je trouve hyper mignon, hyper kiki, hyper pouet-pouet, hyper tutu, il est tout mignon ce petit set. Il coûte 39,99€. Vous pouvez le modifier à la guise. Ça pour un enfant, c'est génial. Je veux dire, hop, vous lui offrez, vous le laissez 2 heures dans sa chambre, il va le monter une fois, vous le relaissez 2 heures une autre fois, hop, il le modifie, et deux fois et encore 2 heures, hop, il l'a remodifié, et puis voilà, et puis c'est banco, et puis il est tout kiki, c'est ça, hein. On passe maintenant au gros budget avec des sets qui coûtent entre 50 et 100 euros, et on commence avec deux de mes coups de cœur de cette catégorie-là. Il s'agit tout d'abord de la maison des elfes, le pavillon des elfes, 94,99€, un set créateur, gamme adulte, etc. Très honnêtement, ce set, c'est une pépite, c'est une révélation, je le veux, je vais essayer de l'acheter pour Noël. Je le trouve magnifique dans des décos de Noël, il est hyper sympathique, je veux dire, ce set il est vraiment trop beau. Et dans le même style, nous avons évidemment la maison en pain d'épices qui est sortie l'année dernière, je crois, là encore un créateur.
amateur, adulte, expert, saisonnier, Noël, tout ce que vous voulez. Il coûte également 94,99€. De cette superbe, très honnêtement magnifique, des couleurs épurées, une neige agréable, une sensation de bien-être, une envie de se retrouver au coin de la cheminée et de partager un moment joyeux de construction avec ses compères. Voilà ce que dégage ces sets. On enchaîne avec 2 sets espace. Vous connaissez ma passion pour l'espace et je ne pouvais pas mettre le Lunar Lander et l'ISS autre part que dans ce top. Évidemment, le Lunar Lander, c'est 94,99€, 1087 pièces. Et ça, les gars, sur une étagère, tout de suite, ça ambiance. Là, on est sur quelqu'un, ok, il s'y connaît, ok, le mec, il a un casque d'astronaute, ok, le gars, le dimanche, il prend une fusée, hop, c'est direction la Lune, un petit kawa, hop, il redescend sur Terre, et voilà, il a fait son week-end. Là, on est bon. Et de l'autre côté, on a l'ISS, 7 Lego IDs, 69,99€ si je ne dis pas de bêtises, et on est sur un set magnifique, avec des forts, on dirait pas plus, parce que ça pourrait choquer la sensibilité des plus jeunes, mais on est là, on est sur un set que je trouve vraiment super beau, que je vais aussi essayer d'acquérir, ça me fait une très grande liste, je suis d'accord avec vous pour Noël, mais voilà, très honnêtement, ces 2 sets dans la gamme espace, qu'est-ce qu'ils sont beaux, et évidemment, on va retrouver le grand frère un peu plus loin dans la liste. Je ne pouvais pas également passer non plus à côté de la gamme des helmets, des casques. Vous en avez 3 dans la gamme Star Wars. Il y a le casque du Stormtrooper, il y a le casque de Boba Fett et il y a le casque du T-Fighter pilote, enfin des pilotes de l'armée impériale. Et puis vous avez eu plus récemment le casque d'Iron Man. Tous ces casques coûtent 59,99€, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc là encore, des très belles choses. Moi je les ai dans le décor, ils sont juste là. Et ça rend très très bien pour une personne qui est un petit peu fan de l'univers Star Wars ou tout simplement fan de pop culture ou tout simplement qui aime les Lego. C'est magnifique. Alors là, on change de gamme et c'est la première apparition de cette gamme-là dans ce choix. Il s'agit de la gamme Ninjago avec le dragon du sorcier au crâne. Et ce set-là, je le trouve super beau. Il coûte certes 84,99€, mais franchement, il est magnifique. Il y a plein de mini-figurines à l'intérieur. Il y a un superbe dragon que vous pourrez réutiliser si vous faites d'autres sets, etc., d'autres gammes. Très honnêtement, ce set-là, si vous êtes fan de Ninjago, il vaut le coup. Et enfin, on revient un petit peu dans le Star Wars avec un set aux couleurs que je trouve vraiment super bien parce que j'adore cette union de couleurs, le rouge et le noir. C'est tout simplement le set TIE Fighter Sith. Voilà, il est superbe. 3 figurines. Alors, il coûte 74,99€. Certes, c'est un petit peu plus cher, mais pour son design, ses ailes un petit peu plus en triangle que celles dont on a l'habitude, honnêtement, ce set, il est juste magnifique. Alors, on passe désormais au gros budget, les 7 gros budgets qui vont de 100 à 200€. Et évidemment qu'on va parler d'un set, si je vous dis... Batman. Eh bien, on parle tout simplement de la Batwing, évidemment, 199,99€ pour 2363 pièces. Ce set, c'est tout simplement le set que tout le monde s'arrache en ce moment, que tout le monde commande. Un superbe cadeau pour tous ceux qui aiment l'univers DC Comics. On enchaîne pour les amateurs de la gamme Star Wars avec le Razor Crest. Alors, je vais pas m'attarder trop longtemps sur ce set, 139,99€. C'est un des moins chers de ce top-là. Mais honnêtement, un très bon set. On touche le Mandalorian et le Baby Yoda dans ce set-là. Donc là, encore une fois, c'est une très bonne sélection. De cet Harry Potter, le Terrier Weasley et la Tour d'astronomie, les 2 sont à 109,99€. Bah encore une fois, 2 pépites de la gamme Harry Potter, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, la gamme Harry Potter, c'est une pépite. Tu n'es pas d'accord? C'est pas grave, c'est une pépite quand même. C'est une pépite quand même. Je ne te laisse rien dire. C'est une pépite, ces gammes-là, c'est une pépite. Ces 7-là, c'est une pépite. Point, c'est des pépites. Point, point, point. Et enfin, on enchaîne avec le grand frère des 7 spatiaux dont on a parlé un petit peu précédemment, le Saturn 5, ressorti. Et quand un set ressort, on l'achète, on n'hésite pas. C'est tout, c'est comme ça. Il ressort, hop, ta carte bleue, bip, c'est payé. C'est en sans contact, monsieur. Évidemment que c'est en sans contact. On paye en sans contact et c'est bon. 119,99€. Cette fusée, elle est magnifique. Vous mettez le Lunar Lander, l'ISS et le Saturn 5 sur une étagère, les 3. Et bah, Thomas Pesquet, il arrive chez vous pour Noël. Il vient manger la dinde, évidemment. Évidemment qu'il vient manger la dinde, Thomas Pesquet. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Et allez, on termine cette petite sélection avec les budgets Platinum. Alors là, bah là, c'est pour les gens qui, clairement, je veux dire, ils roulent en Ferrari 5 fois par semaine. Ils partent aux Bahamas quand ils reviennent des Seychelles. Bon, pour Noël, on sait très bien que la dinde, elle sera fourrée au lingot. Évidemment qu'on va commencer avec les 2 plus gros sets qui ont été annoncés ces derniers temps. Tout d'abord en Star Wars, la Cantina, 349,99€. Un set de toute beauté, évidemment, que moi, je trouve un petit peu cher. Mais bon, il n'empêche que il est magnifique, ce set. Il est là, il est beau, il est présent. Bon, bah voilà, pour tous les fans de Star Wars et qui mangent la dinde fourrée au lingot, et bah vous prenez ce set et vous posez pas de questions. Et puis pour tous ceux qui aiment Harry Potter, et bah vous prenez l'autre, vous prenez le Diagon Alley. Voilà, il coûte 399,99€. Bon, bah c'est pareil, là, voilà, la dinde, vous la fourrez au Diagon Alley, c'est tout. C'est bon, bah voilà, et puis vous arrêtez de nous embêter, nous qui allons acheter une briquette. On enchaîne avec un set qui est un petit peu moins cher. Il s'agit tout simplement de la NES, la Nintendo Entertainment System de la gamme Super Mario. Un set qui est estampillé adulte, évidemment. 229,99€. Un très bon set que je trouve très joli, qui dans un décor passera extrêmement bien. Donc voilà, ou même à côté de la télé au salon. Franchement, ce set, bah, je le trouve superbe. Il est magnifique. Vraiment, il est trop beau. Il est vraiment trop beau, il faut dire ce qu'il est. Il est joli, il y a des couleurs, il y a une petite nostalgie, etc. Donc vraiment, ce set, il est magnifique. Évidemment, si vous offrez pas la Batwing, bon, vous pouvez offrir la Batmobile. Bon, voilà.
voilà, 249,99€, un gros bébé, une belle voiture, toute noire, toujours pour les gens qui se trimballent en slip et en cap avec des collants et des chaussures à clous. Et on termine pour les budgets Platinum avec la place de l'Assemblée, un créateur expert, je suis tombé dessus purement par hasard, et très honnêtement, ce set, bah... Il est beau. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il est beau. Il y a des belles couleurs. Il y a des beaux bâtiments. Tout est bien agencé ensemble, etc. C'est magnifique. Il coûte 259,99€ et il s'offre, mais c'est comme, bah pas comme des petits pains, mais bon, voilà quoi. Pour ces personnes-là, si, c'est comme des petits pains. Bon, voilà, chers amis, j'espère que ce petit classement vous a plu. Je l'ai fait un petit peu à la rigolade. J'essaierai peut-être de faire les prochains plus sérieux. En tout cas, je vais essayer de faire ce genre de classement deux fois par an, en juin à peu près et en décembre pour les fêtes de fin d'année. Comme ça, ça nous donnera un petit peu les deux sorties. Puisqu'il y a souvent une sortie en janvier et une sortie après juin. Donc on aura un petit peu comme ça tous les sets du moment. Dites-moi déjà si ce petit concept vous a plu, vous m'écrivez ça dans les commentaires évidemment. Et puis vous pourrez me dire également si vous avez eu des petites idées par ce top, s'il y a des sets qui vous avez retenu, que vous allez peut-être offrir, etc. Je serais assez curieux de savoir ça. Ou alors si vous avez d'autres idées de cadeaux, et ben n'hésitez pas à les partager en commentaire. Vous pouvez partager également la vidéo pour que bah, peut-être votre mamie, votre papy voit un petit peu ce dont vous avez envie, ou papa, maman, ou les oncles et tantes, ou les copains. Bref, vous faites ce que vous voulez, je sais pas pourquoi je tremble. Et puis bah, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, hein, n'est-ce pas? Une bruxellante soirée comme vous en avez l'habitude. Gros bisous à tous, et à la prochaine. Ciao les amis.